Bon, aujourd'hui, petite vidéo des familles, j'espère que vous allez bien, c'est Beat PokéStation. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà on va parler de Star Étincelante. Évidemment, il y a du retard et vous allez voir sur quoi. On va aussi tester ma luck parce que vous avez vu, hein, j'ai pris une clim avec mon ETB Célébration là dans la dernière vidéo. Franchement, je suis un peu dégoûté. Donc aujourd'hui, on va ouvrir deux points de fusion et puis deux évolutions célestes. Donc j'espère que aujourd'hui c'est le bon jour. Hein. J'espère en tout cas choper une petite alternate ou une petite VMAX, on ne sait pas, on verra. En tout cas, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus et je vous retrouve tout de suite, les potes. En tout cas, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà on va parler de plusieurs choses. Déjà, je tenais à remercier tous ceux qui ont envoyé des cartes pour la Luckbox. Et Dieu sait qu'il y en a un paquet, vous voyez. Là, il y en a beaucoup et il y a des vraies belles cartes, franchement, et des récentes. Vous allez voir, c'est assez sympa. Il y en a vraiment un paquet, hein, je vous le dis. Donc, je dis merci à Yanis, à Cyril, qui en ont envoyé principalement ces derniers temps. Il y a Alem aussi qui en a envoyé. Donc, gros GG à vous, franchement, gros merci. Ça fait vraiment plaisir et vous allez régaler du monde, c'est clair et net. Bon, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le box break spécial XY07 Origine Antique prévu le 13 février prochain. Donc, pas dimanche Karim, mais l'autre à 14h en live, bien entendu. Le display sera décelé en live. Donc, je compte sur vous. Il reste plus que 18 boosters à ce jour, donc ça risque de partir vite. Donc si vous en voulez un, il est à 39,90€. Donc si ça vous plaît, eh ben, allez-y parce que la série elle est juste incroyable. Donc voilà, et aujourd'hui donc on va s'ouvrir évidemment les 4 boosters là, hein, tout de suite après la petite info du jour. N'oubliez pas aussi qu'on est bientôt aux 2000 abonnés. On est bientôt aux 2000 abonnés. Il manque plus qu'une dizaine d'abonnés. Donc franchement, si vous passez par là et que vous kiffez les vidéos, bah écoutez, soyez le bienvenu. Franchement, ça fait plaisir. Et en plus, on passe de magnifiques dimanches en live ensemble. Franchement, c'est ouf. Dimanche dernier, je me suis vraiment bien marré. J'en ai même chialé. Hein. Je suis d'ailleurs désolé pour celui qui a pris la clim, franchement, mais c'est pas grave parce qu'il a été récompensé de toute façon. Comme toujours, grâce à la Luckbox, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler déjà de Star Étincelante. Mauvaise nouvelle, malheureusement, j'ai eu l'info. Déjà, je vous avais annoncé un cut de 50% chez les pros, notamment les petites boutiques sur les displays et les ETB. On ne me croyait pas trop, puisque bon, j'ai annoncé ça il y a un peu plus de 2 semaines. Les gens, ils étaient sceptiques. Voilà, donc mais il s'avère que si. Voilà, les pros se sont exprimés et ils ont bien un cut de 50%. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, ça veut dire que ceux qui ont préco un peu trop tard, pas impossible que vous ne receviez pas votre display, votre ETB comme vous le pensiez, malheureusement. Donc il faudra voir si le jour J vous en trouverez. Évidemment, il y a du retard par rapport au display, ça c'est un retard sur le display. Par contre, pour les grandes enseignes comme les Leclerc, les Auchan, les Carrefour, pas impossible que ça soit en temps et en heure le 26 février où vous trouvez des tripacks et des boosters sous blister seuls en rayon. C'est pas impossible, les prix normalement ça devrait rester les mêmes normalement. Sauf peut-être dans certaines boutiques où ça va être un peu plus cher, hein. Évidemment à chaque fois c'est ça. Possible que vous en trouviez aussi à Jouet Club, King Jouet. Faudra aller checker, de toute façon vous n'aurez pas le choix d'aller faire le tour des magasins qui seront à proximité de chez vous, parce que sinon c'est pas impossible que vous n'arriviez pas à en trouver si vous vous déplacez pas. Voilà, c'est ça le problème. Ensuite, l'info que j'ai eue très récemment, il y a 2-3 jours, j'en ai déjà dit à quelques personnes, donc c'est que les displays, bon déjà, ils vont arriver plus tard, ça je l'ai annoncé, mais il y aura encore plus de retard pour les ETB de Star Étincelante, hein, EB09 qui arrive normalement le 26 février, comme je vous disais, mais sauf que là, ça va être encore plus tard que le retard des displays, donc c'est pour vous dire, donc c'est même pas impossible que ça soit entre mi-mars et fin mars pour les ETB. Alors peut-être pas toutes les boutiques, peut-être certaines vont arriver en avoir, mais franchement, pour le moment, on n'a pas toutes les infos, j'ai pas toutes les infos de toutes les boutiques, de toutes les enseignes, mais voilà ce qui en ressort de chez Asmodée. Attention, hein, c'est mon info vient de chez Asmodée, donc c'est du sûr, voilà. Donc après, chacun aura son avis là-dessus, hein, on verra qui aura eu raison de toute manière. Donc voilà, il y avait autre chose, je tenais aussi à vous rappeler que maintenant, je suis partenaire avec NordVPN, vous avez un code PokéStation 3 qui s'affiche ou qui est aussi dans la description, et ça vous permet d'avoir 3% de réduction sur votre abonnement de 24 mois, plus un mois gratuit. Donc voilà, si vous connaissez NordVPN, bah vous savez que c'est le VPN le plus fiable, voilà, qui a le plus de serveurs à travers le monde. Donc allez-y, si vous voulez regarder des séries à l'avance qui viennent des États-Unis, que vous êtes, vous pouvez vous localiser là-bas, enfin vous voyez, vous connaissez ce que c'est qu'un VPN. Donc voilà, tout est en description, faites-vous plaisir. Et évidemment, je touche une commission sur vos achats, donc ça soutient la chaîne, bien évidemment. Donc merci à tous ceux qui passent par mon lien et qui utilisent le code PStation3, tout accroché.
Donc voilà l'info pour les ETB de EB09. Malheureusement, il va falloir, je pense, être un peu plus patient. Donc j'espère que ce ne sera pas trop. Il n'y aura pas encore un autre retard en plus. De toute façon, je vous le dirai si c'est le cas. Et si finalement il y a une petite, un petit changement d'ici là, je vous le dirai aussi, en espérant qu'il y ait peut-être qu'il n'y ait pas de retard. Mais bon, l'info elle vient de Asmodée, donc en général, c'est plutôt sûr à ce niveau-là. Donc voilà pour l'info du jour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais tester ma luck, hein, parce que vous avez vu, bon, j'ai ouvert là aussi le display Starbirds là, de la dernière série japonaise. Bon, j'ai eu encore l'Hyper Ball. Voilà, vous n'étiez pas d'accord, certains n'étaient pas d'accord que c'était la carte la plus chère de la série. Mais si, effectivement, donc évidemment, les prix fluctuent en fonction des jours, des semaines et tout ça. Donc évidemment, un coup ça va être plus cher, un coup ça va être la moins chère, enfin pas la moins chère, mais ça sera le Dracaufeu alternatif qui sera plus cher ou l'Arceus Gold. Vous voyez, bon, ça peut être. Ça fluctue, hein, le marché fluctue, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est normal. Donc maintenant, bah écoutez, on va passer sur l'autre cam et donc évidemment, on va essayer de faire tomber du lourd aujourd'hui. Et je vais commencer par point de fusion, parce que je me dis quand même, bon j'en ai ouvert récemment plus d'une vingtaine, j'ai rien fait tomber, pas une V. Pourtant, tout est sous blister, incroyable. Donc ça m'a fait un peu de mal, franchement, et même franchement même le display, les deux displays qu'on a ouverts dimanche dernier, il n'y a pas eu grand chose, franchement, c'est vraiment désolant comment le taux de drop est vraiment hyper nul sur Point de Fusion. Je pense que c'est la pire. C'est pire que Évolution Céleste, Cœur de Glace, franchement c'est hallucinant. Bon, voilà un petit code pour vous. J'espère que ça vous sert au moins, que ça vous permet de jouer en ligne. Allez, bon, est-ce qu'aujourd'hui je vais avoir de la luck? Ça c'est pas dit, hein. Franchement, j'attends plus grand chose de Point de Fusion, malgré que j'aimerais bien avoir le Mentali VMAX alternatif. C'est vraiment la carte que je veux, avec évidemment l'Ectoplasma alternatif, le Mew alternatif. Enfin, c'est les trois grosses cartes que j'aimerais. Voilà. Comme tout le monde, hein, évidemment. Mais j'ai évidemment une préférence pour le Mentali. Donc on va voir. On va voir si en deux boosters on fait une dinguerie ou on fait pas une dinguerie. C'est ça le. Je suis sceptique, hein, je vous le dis. Je suis sceptique. Je sais pas s'il y a quelque chose. Feuilleton. Kobu. Sablette. Charibari. Grimalin. Larvibul. Et... Ah, un petit Memeltal, ok. Bah écoutez, Memeltal, non merci, puisque en plus je ne fais pas le set. Ouais, je ne fais pas le set de cette série, j'ai pas envie de m'embarquer dans celui-ci. Je fais déjà celui de Évolution Céleste et d'autres. D'ailleurs, j'ai fini celui quasiment hein, de Légende Brillante. D'ailleurs, merci à Eddy qui m'a envoyé des cartes. Aussi à Olivier qui m'a envoyé des cartes des Rivers pour compléter petit à petit, tout ça. On fait des échanges et tout. Donc franchement, ça fait super plaisir. Merci à vous, franchement. C'est ça, évidemment la communauté franchement elle est ouf. Et je remercie aussi Cyril, vous avez vu peut-être mon Insta aujourd'hui, qui m'a envoyé des cartes pour la Luckbox, mais aussi un paquet de café, de dosettes, Senseo, pour bah, ma Senseo, pour mes moments coffee time pendant les lives. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs en parlant de ça, ça me fait penser qu'il va falloir que je rajoute une ou deux émotes pour les lives, pour les sponsors. Donc si vous avez une idée, je pense qu'on m'avait dit une émote Luck. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Alors je sais plus si une ou deux, donnez-moi des idées dans les commentaires si vous êtes chaud. Oula, bah ça c'est la pierre, ça c'est la pierre, le dryel. Mon dieu, bah là écoutez, aujourd'hui je pense que je vais pas faire une dinguerie. À mon avis aujourd'hui on fera rien tomber, c'est pas le jour. Quand même. Bon c'est vrai que j'ai eu du bol avec les deux duo packs la dernière fois. Enfin les quatre, j'en ai ouvert quatre, deux... Deux alternatives, Genesect alternatif, V alternatif, dans Point de Fusion, et le magnifique Noctali VMAX alternatif, dans EB07. Évolution Céleste, truc de fou. L'une des cartes les plus qui cote le plus de cette série d'ailleurs. Si ce n'est la plus, je sais pas trop en fait. Et puis, bon, de toute façon, on s'en fiche parce que je la garde, j'ai pas l'intention de la vendre, ça c'est sûr et certain. Bah écoutez, on finit avec un Flambusard. Comment vous dire que je viens d'ouvrir 4 boosters pour rien, qui étaient pourtant sous blister? Bah écoutez, je pense que là, on peut pas faire pire. Hein. On a fait tomber une holo en 4 boosters. Hein, c'est ça, une holo, hein, parce que les autres, elles étaient pas holo, non, pas du tout holo. Bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. De toute façon, je vous prépare un truc de lourd
pour samedi. Vous aurez toutes les infos demain et j'ai hâte de vous partager ça. Ça va être dingue. Et je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. Donc voilà, bah écoutez, je compte sur vous pour mettre les pouces bleus, la petite cloche. Mettez la petite cloche parce que c'est super important pour pas rater les vidéos, mais aussi pour pas rater les petits concours qui vont être organisés, les easter eggs et tout ça. Et pas seulement, hein, parce que bon, on sort des vidéos quand même régulièrement, au minimum 5 par semaine, dont un live le dimanche à 14h. Donc évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous à tous. Ciao.